président, Jean-Luc président, Freedom, président, président. J'ai bien écouté un message, je n'ai pas besoin d'argent. C'est un colo, il est beau. On est là pour écouter un message. Tu comprends, non? On est là pour écouter un message, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin qu'il chante. On est président. On est le président. Ali Bongo, en 7 ans, il a payé 122 résidences à travers le monde. Pendant que nous, les eaux, pendant que les inondations nous assaillent, Ali Bongo Ondimba, suivez-moi s'il vous plaît. Ali Bongo Ondimba s'est offert la résidence la plus chère d'Europe en France, la résidence d'Iborgio, 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est 65 milliards de francs CFA et plus. Et ça, ce sont les travaux. Il a offert à son fils l'indécence de l'indécence. L'année dernière, un bali en cristal. Valeur du bali, 1 million d'euros, 655 millions de francs CFA. Pendant ce temps, nous n'avons ni salle de jeu. Nous n'avons ni logement. Nous n'avons ni hôpitaux, encore moins de routes. La finale est à Libreville. À Libreville, Jean-Pi va réussir sa finale. Il va réussir sa finale. Ça signifie qu'il va gagner. Il va gagner. Il va gagner. Il va gagner. Jean-Pi, président. Le 27 août 2016, Ali Bongo Ondimba, il le sait déjà, il ne sera pas président du Gabon parce qu'il est indigne d'être président de notre pays. Je soutiens le président Ping parce que le président Ping, c'est le président de l'avenir, c'est le président de la jeunesse. J'ai entendu quelque part quelqu'un dire il faut revenir dans la maison. Mais dans quelle maison on va revenir? La maison où il y a les crimes routiers, la maison où il y a l'injustice, la maison où il y a l'insécurité, la maison où il y a les arrestations arbitraires, la maison où on viole la constitution, la maison où on viole les traditions, la maison où on insulte les gens, la maison où on fait l'invective, non. Et la maison où on fait projet crème. Nous nous mettons ensemble pour débarrasser le Gabon de la dictature et de la peur. Ensemble, nous allons battre le dictateur. Nous allons le chasser du pouvoir, l'imposteur et le dictateur.
Nous allons libérer le Gabon. En 7 ans, il s'est enrichi plus que son prétendu père. En 42 ans, lui, en 7 ans, il a accumulé en recettes près de 18 000 milliards de francs CFA. Où est parti cet argent? Est-ce que vous avez vu, il a construit une seule école? Il a construit un seul dispensaire? A-t-il construit vraiment des routes? Vous le savez, des promesses, des promesses, des promesses. École zéro. École zéro. Dispensaire zéro. Électricité zéro. Eau zéro. Route zéro. Zéro plus zéro égale. Vous savez, moi j'ai décidé de ne me présenter que pour un seul mandat. Un seul mandat pour donner l'exemple. Ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir à perpétuité, il faut leur donner l'exemple que moi je ne me présente que pour un seul mandat. Il faut que nous arrivions à mettre fin au règne d'Ali Baba et de ses 40 voleurs. Ali Baba et les... Ali Baba et les... Nous nous sommes donc mis ensemble pour être sûrs de le mettre KO. De le mettre KO. Ensuite, nous avons décidé ensemble de construire un nouveau pays, d'avoir notre seconde indépendance et de mettre en place une nouvelle république. Une république libre, libérée de la peur. Et libéré du besoin. Nous allons le faire avec vous.